Alors on va faire une vectorisation. Il est possible que des choses comme ceci nous posent problème, c'est-à-dire quand un trait noir va jusqu'au bout de l'autre trait noir. Peut-être que ce sera intéressant de retravailler un peu le fichier rapidement dans Photoshop pour faire un espace entre le bout du trait noir et l'autre trait noir, vous voyez. Peut-être ou pas, on va voir, on va tester déjà comme ça. En tout cas, il y a la possibilité, à partir du moment où l'image, oui, on peut l'ouvrir dans Photoshop, on pourra faire la mise à jour. Alors, votre image est sélectionnée. Vous allez dans le panneau vectorisation de l'image. Menu fenêtre, vectorisation, vous enclenchez l'aperçu. Ça marche pas, je clique à côté de l'image, je reclique dessus. Il ne voyait pas qu'il y avait l'image. C'est la fin de journée pour tout le monde. Alors, on coche la case aperçu et voilà, on a une vectorisation. Dans les paramètres avancés, on sait qu'on a intérêt à cocher ignorer le blanc pour que les parties blanches de l'image ne génèrent pas des vecteurs.